vlog avril, on est le 14, donc jeudi, 14e jour de vlog. Il est midi et demi, donc je vous prends que maintenant tout simplement parce que j'ai déjà fait pas mal de choses ce matin. Bon, hormis le petit déjeuner que je vais pas vous filmer, enfin que je vous ai pas filmé parce que ben voilà, hein, c'était le déjeuner habituel. Sauf qu'à la place des céréales, j'ai pris deux cracottes de Nutella parce que je me suis fait avoir, il n'y avait plus de yaourt. Donc j'ai pris mon petit déj, j'ai fait aussi mes yaourts, donc là ils seront bons dans 11h je crois, un truc comme ça. Bon, en gros à 11h ce soir, ce sera bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai réglé pas mal de choses, alors des choses pas intéressantes du tout, hein. J'ai appelé l'organisme de l'eau, donc la SOR, pour échelonner une énorme facture qu'on a eue due à une grosse fuite. Donc ça a été fait. J'ai eu, alors ça c'est plutôt la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est que j'ai eu Maxi Magazine qui m'a rappelé par rapport à l'interview qui doit paraître en juin. Et ils ont besoin d'une photo. Alors normalement, la personne que j'avais pour l'interview m'a dit, elle ne savait pas s'il me demanderait une photo ou s'il ferait venir un photographe. Donc là, il me demande juste une photo. Tant pis, hein, le photographe, bah, c'est pas grave. Donc c'est un portrait. Donc je vais faire ça cet après-midi, d'où le fait aussi qu'il faut que je me lave les cheveux. Voilà, c'est aussi ça. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça paraîtra donc en juin, mais je vous le redirai encore une fois. Je suis contente parce que le Maxi Magazine, bon c'est pas un magazine que j'achète, parce que voilà, mais je le connais puisque c'est un magazine féminin. Donc je suis plutôt contente. Sinon j'ai monté aussi le vlog, je l'ai enregistré. Là il sera en ligne d'ici, enfin 2h, j'ai 178 minutes. Voilà, de mise en ligne. J'ai répondu à tous vos messages. Voilà, j'ai fait les dernières modifications sur la vidéo qui va paraître demain. Parce qu'il y avait des choses quand même encore à modifier. Et bon, elle est déjà en ligne, hein, mais c'était au niveau des paramètres. Pourquoi vous ne me voyez pas, là, depuis le début des vlogs, pourquoi vous ne me voyez pas vraiment tourner des vidéos, etc. C'est tout simplement parce que j'avais pris un peu d'avance. C'est toujours comme ça quand il y a les vacances scolaires. Je sais jamais si je vais arriver à filmer ou pas. Donc du coup, je prends un peu d'avance. Et là, mes vidéos sont prêtes pour aussi toute la semaine prochaine. Donc il y aura la semaine d'après. Pour les points, alors côté météo, il a fait super gris ce matin. Il a plu cette nuit. Donc il y avait une petite humidité qui n'était pas trop agréable. Maintenant, il y a le soleil qui sort. Il fait plutôt bon. Puisqu'il y a 18 degrés à l'ombre et dans un couloir de vent, donc c'est plutôt sympa. Côté tenue, j'ai fait simple et j'ai changé, j'ai pas mis mon jean. Donc j'ai un baggy, c'est un baggy kaki, voilà tout simplement. Je pouvais plus le mettre depuis très 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 longtemps et là je rentre dedans, donc je suis super contente. Avec un petit top vraiment fine bretelle rose que je trouve aussi super joli. Il est un peu plus cintré au niveau de la poitrine mais là très large, donc pour le petit bedon c'est parfait. Et j'ai remis le gilet que j'avais hier. Côté humeur, ça va, j'ai vraiment l'impression que les fleurs de Bac font leur boulot, franchement ça va mieux, donc il y a encore des choses qui me perturbent, mais ça va, donc je remercie encore mille fois mon acupunctrice, même si elle regarde pas mes vlogs. Mais... Bon alors pour le repas c'est encore carottes, ça c'est la fin, c'est bon, il n'y en a plus là de râpées. Donc ça va me faire du bien, puis de toute façon c'est bon pour la peau, etc. Toujours avec la même vinaigrette au citron et à la ciboulette, et avec le reste du poulet à la mexicaine de hier soir. Et le petit, et bah lui c'est pâte chinoise, voilà, avec un peu de Maggi dessus, il adore ça, et ça convient à tout le monde, chacun à son repas. Bah je vous dis bon appétit. 4h15, oui, je me suis fait une face tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai Maxi Magazine qui m'a appelé donc par rapport à l'interview qui sortira en juin. Et le souci qu'il y a, c'est qu'ils veulent une photo portrait. Et il a fallu que je la fasse moi-même. Donc j'ai dû me maquiller, donc mon côté no make-up aujourd'hui, je pense que c'est loupé. Et j'ai des photos. Que je pense en fait je vais y arriver, je pense avoir fait de belles photos, mais du coup vu que c'est pour un magazine, je trouve que c'est horrible, je me trouve pas belle, c'est catastrophique. Et surtout que j'ai dû créer un décor, parce que franchement avec un fond comme ça, ça le fait pas. Et j'ai très peu de portraits de moi où je regarde l'objectif ou qui est en couleur. J'ai beaucoup de noir et blanc, ils veulent absolument des photos en couleur. Et donc du coup je suis un peu perplexe sur celle que je vais leur envoyer.
Alors il y en a une, voilà, je l'aime beaucoup. Bon, je l'aurai déjà envoyé une fois que je vous aurai, une fois que ce vlog sortira. Mais moi je la trouve jolie, celle-là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Et voilà donc l'installation que j'ai dû faire, donc avec le fond blanc en fait pour le rétroprojecteur, et j'ai mis un petit meuble avec une plante, un petit truc sympa et tout, et pour faire quelque chose de sympa, que ça ait l'air blanc le fond, pas des couleurs, voilà, bon le make-up j'ai fait quelque chose de super naturel, vraiment je voulais juste le teint qui soit parfait, un tout petit peu de contouring mais très léger, et quelque chose de très naturel parce qu'il faut que ça me ressemble aussi quelque part. Et alors pour la tenue j'ai juste mis mon pull, je sais pas si vous allez voir, mais mon pull robe fuchsia sur mon baggy. Je peux vous dire que le look il est comme ça. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait là. Sinon j'ai pas mal discuté avec ma Caro et ça fait du bien de discuter. Et j'ai écrit l'article pour Trendy Show. Donc là j'ai un gros souci pour les photos, je sais pas comment faire pour les mettre, etc. Ça m'énerve un petit peu, même un petit peu beaucoup. Bon là je vais prendre le goûter après. En fait j'envoie juste certaines photos à Caro pour savoir ce qu'elle en pense, si elle trouve que c'est bien ou pas, parce que je n'ai absolument aucune idée de ce que ça rend, et ça me stresse, voilà. Bon au final il est 5h passées. Je vous ai posté les deux photos entre lesquelles j'hésitais par rapport à l'interview, et vous avez été quand même une majorité à me dire la une, même si ça fait cliché youtubeuse avec le mug. Donc j'ai posté la une, on verra bien. Si ça se trouve, ils ne veulent même pas ce genre de photos. Ils veulent une photo peut-être en extérieur, mais on ne m'a rien dit. Donc voilà. Sinon, je pense que je n'arrive pas à télécharger des photos sur mon article par rapport aux soucis que j'ai sur le PC. Donc ça m'énerve, mais vraiment. Autre chose que je fais, j'ai préparé, enfin je me suis fait le goûter, et je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube, voilà, pour le goûter. Donc aujourd'hui pour le goûter, c'est un café, ça c'est obligé. Je me suis coupé une orange en petits morceaux, celles-là elles viennent d'Espagne, elles sont super sucrées, et un petit bol de muesli crunchy parce que j'en ai pas eu aujourd'hui et franchement ça me manque. Bon c'est un peu sec comme ça sans yaourt, mais il me faut mon crunchy. Et je me demandais si c'est en faisant les photos pour l'interview que je me suis posé cette question là. J'ai trouvé quand même le fond plutôt sympa, donc le fond là avec la plante et la petite, le petit chien, etc. Est-ce que vous aimeriez que ce soit mon fond pour les vidéos? Parce qu'il est assez clair, il est blanc, les choses ressortent bien, la luminosité est plutôt sympa. Donc voilà, c'est la question que je me posais, est-ce que ça vous dirait que je fasse mes vidéos avec ce fond là ou pas? Ou est-ce que non, pas du tout, c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas du tout, vous n'aimez pas du tout, ça se peut aussi. Bon, il est 6h, je reviens. Oui, j'arrête pas de changer de coiffure, de mettre une barrette, d'enlever, de remettre, d'attacher, de mettre de côté, bref. Donc là, ce que j'ai fait, je vais peut-être commencer par vous mettre droit, ce sera mieux. J'ai toujours le problème sur le PC et ça commence à me poser des gros soucis parce que pour mon article Trendy Show il faut que je mette les photos et là je ne peux pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai totalement désinstallé AVG, donc l'antivirus, et je vais le réinstaller. Sinon pour la photo, j'ai eu une réponse en retour. Alors la photo est très bien, c'est juste que vu que ça va être un article qui va être publié en juin, ils aimeraient que je sois habillée en vêtements d'été. Donc j'attends de savoir, j'ai demandé si le fond était bon, s'il fallait juste changer de vêtements ou pas, ou s'il préférait un extérieur, pour savoir comment je vais faire les photos, parce que je me vois un petit peu mal en petite robe d'été dehors, sachant que, enfin, il fait pas si chaud que ça, mais bon, hein, s'il faut le faire, je le ferai. Pour mon dernier lookbook, je me suis bien baladée dehors, limite les miches à l'air avec une petite robe, et je me suis chopée la grippe par après. Bon, là je pense que ça va être la dernière fois que je vais vous parler puisque il est 7h, le chéri est en train de réparer quelque chose sur la voiture d'un ami, donc il est encore à l'extérieur, mais là ce que je vais faire c'est que c'est le moment, voilà, c'est le moment général à 3 qu'on a jusqu'à à peu près 8h. C'est de voir les Marseillais. Alors oui, je sais, c'est pas du tout culturel, c'est pas du tout c'est pas quelque chose qui nous apprend des choses, c'est pas intelligent, c'est pas tout ce que vous voulez. Mais nous on aime bien parce que premièrement déjà ça nous... Oh là mon dieu, ça nous rappelle... Ça me rappelle que j'ai des cheveux gris. Ça nous rappelle en fait notre jeunesse, puisque comme ils font la fête, etc., les délires et tout ça, c'est ce qu'on avait il y a à peu près 10 ans.
Donc voilà, il y a un peu de nostalgie. Et puis, mine de rien, vous le croirez ou pas, mais ça, ça nous apprend beaucoup de choses. En tout cas, moi, je regarde surtout bien sûr, l'aspect psychologique de chaque personne. Et ça nous apprend beaucoup, 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 beaucoup de choses sur la psychologie des gens, comment ils fonctionnent par rapport au sexe opposé, etc. Enfin voilà, moi, c'est une mine d'informations. Et c'est, enfin voilà, moi j'aime bien, maintenant on n'aime pas, et bah tant pis, hein, je force personne à aimer. Dans tous les cas, bah voilà, nous c'est notre moment le soir où on n'a pas trop besoin de réfléchir, etc. Sinon, bah, ma yaourtière, il reste encore 5 heures, donc ça va être compliqué là, attendre 5 heures pour faire les yaourts. Et puis bah, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Je n'en ai absolument aucune idée, mais aucune idée. Mais alors là, c'est vraiment le blanc complet. Par contre, j'ai réfléchi à ce que je vous ai dit tout à l'heure et moi j'adore le fond avec la plante, etc. Moi je voilà, j'adore ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore ça. Je pense que je vais faire quand même quelques vidéos là-bas. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Il nous a fait un focus bizarre alors que j'ai pas bougé rien du tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Merci, merci, merci encore de tous vos commentaires. Vous êtes trop adorables.